Wesh! Ça va quoi les gars? Hey, je vous ai pas dit là, je pars à New York avec Ryan, Fatou et Lago. Faut que tu mettes deux vestes sur toi pour qu'on passe. Ça c'est jamais vu, c'est une nouvelle histoire. Tu Ben, voyages, voilà. il faut bien qu'on se change là-bas, qu'on va pas mettre la même veste, la saigner la même pendant tout le voyage. Les gens ils aiment trop faire de la psy. Ouais, New York il fait trop froid en janvier, vous allez mourir! Non, c'est les mêmes températures qu'ici. Franchement, c'est les mêmes températures qu'ici. Donc si vous voulez aller à New York en janvier, profitez-en, c'est grave bien, en plus c'est moins cher. Voyez ce sac? Que des chaussures. Il y a que des chaussures, vraiment. C'est fou chaussures. Ensuite de l'avion, peu confort, petit suite, Tommy Hilfiger ou Hilfiger, je sais jamais. Un petit le bas qui va avec. Et voilà, on est prêt, hein. Ça fait plaisir de reprendre les vlogs. Oh là là. Vous vous rappelez avant les vlogs que je postais là, Dubaï, Los Angeles, la Grèce. Là, ça va être New York. Bon, vous vous demandez ce que je fais? Je ne suis pas dans la soute de l'avion, je vous rassure. Je suis simplement venu récupérer Fatou. Hey, tu commences avec ta petite caméra sautée? C'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Merci. Moi, je suis super à l'aise. Voilà. Franchement, tous les moyens étaient bons pour économiser 60 euros d'Uber. Donc, on a dit au pote de mon frère de nous accompagner à l'aéroport, tout simplement. Donc là, on est en route. Et écoute, le voyage commence dès maintenant. Hein. Les péripéties commencent dans un camion. Elle est en train de bosser en même temps. C'est ça quand je fais des arrêts maladie à la dernière minute. Elle est en règle cette fois-ci. Bon, bah c'est carré. De quoi? De ma caméra? Mais quoi? Pourquoi? On va prendre plein de souvenirs. On va captiver plein de moments. Fatou, prends tes valises. Non, rien de mal fait. La duchesse. Ah, je suis en train de partir mon manteau. Ah, c'est bon. Donc, on vient d'arriver à l'aéroport. Dans l'équipe, on retrouve Fatou. Et on a récupéré Lago. Très babs. Très très babs. Oui, bonjour. Je vais vlogger du coup tout le voyage. On a trop hâte. Vous avez hâte du vlog? Ouais, trop. Non, il commence. Sa gueule, hein, bien sûr. Vous êtes exécrable, vous êtes odieux. On va commenter vos looks. Mais je suis bien alors, habillé, Fatou, en fait, je quoi. Ton look. Mais moi, il est normal. Hein. Notez son look. Notez mon look. Petit chapeau, petite doudoune. Petit foulard, parce que vraiment, on va dormir 8 heures de vol. Oh. J'aime bien les Tasman. C'est avec les petites chaussettes montantes, ça fait. La gauche en outfit, je sais pas. RJE, arrête, je suis bien habillé. Ah, pas de couche. Regarde, j'ai Ragnar, l'autre bras. Non, je suis bien habillé. C'est quoi? C'est quoi RJ? RJ. RJ. L. Ou le saut de Boval. Ouais. Ouais, même pas en fait. C'est bon, moi aussi. Tu mets tout le monde. Préparez pour vos passeports. Ouais, trop light. Je pense que tu devrais arrêter avec ta petite heure. Oui, c'est bon, tu peux attendre au moins qu'on passe. Vous êtes vraiment. On passe à douane, c'est pas. Tout le monde nous regarde. Et tout le monde nous regarde, ils ont canne. On est de la réception. Je dis pas tout, fais quelque chose. Je trouve pas qu'on est là. Comment pas faire la queue? Ça commence déjà. Sert à quelque chose, je ne sais pas. On va pas être 4 sur une machine. Toujours su. Comment pas faire la queue? T'as toujours su que je ne servais à rien. Là aujourd'hui, je te donne un rôle. Faut pas faire la queue. Oui? Mais vous et êtes toi, trop drôle. Mais moi je vlog. Avec la queue comme Lago, la chef Lago nous a dit. Allez. Vous passez votre tocard là. Là on vient d'enregistrer les bagages. J'ai horreur d'enregistrer les bagages avec les machines automatiques là. Parce que quand tu dépasses d'un gramme ou d'un kilo, ça passe pas. C'est soit tu fais 22 kilos pile comme le nombre de kilos qui est indiqué sur ton billet, soit tu te casses en fait. Ça veut dire que Fatou elle a dépassé, on était obligé de faire un transfert de vêtements vite fait en rapide. Là on est en pause déj. Moi je t'aime bien fort. Oh, j'ai, y a de l'alcool. Mais non. Tu sens? Non, c'est l'ananas qui s'en va. Ah bah c'est toi. C'est la première fois que tu goûtes des ananas. Des ananas, on dit déjà. Ananas. Des ananas. Moi je suis française. Mmh. Mais j'arrive pas à prendre les gros. Bien fait. Bien fait. Je suis en train de faire un vlog. J'ai avec le crew. Dream crew. Bon écoutez, je vais gratter l'amitié avec elle, comme ça je vais rester ici. Ça change de ma place toute serrée là-bas. Tout à l'heure les Américains se sont allongés sur moi. Ah mais ça m'étonne pas. Avec sa couette. T'es KO? Ouais, je suis éteint. Hein? Je suis éteint. C'était le voyage le plus long de ta vie? Bah ouais, le plus long de ma vie. C'est tellement long. Depuis que je suis sur YouTube, hein, mon seul souhait, voyager en business. Bon, là on a récupéré nos valises. Ouais, on a récupéré nos valises. Voilà. Il manque la valise de Lago. Non, enfin, Mousse, sa valise, on l'a. Sa valise, en fait, attends. Et ça, Mousse, oui. Et voilà.
T'es grave en stress? Non. Mais là, tu vas peut-être pas t'habiller. Vas-y. Lâche-moi, qu'est-ce qu'il y a contre succès? T'es vraiment folle en fait. Ouais, je vois. Mais dis à mon personne, lâche-moi. Oui, c'est un reportage sur les animaux. C'est parti. Ah ouais, gros 4x4. C'est mieux qu'un van. Bon, là on va faire le check-in. On est sur un hôtel très bien designé, quoi. Tu penses quoi de l'architecture? Hein? C'est très très beau. On vient d'arriver dans notre chambre. Alors, t'en penses quoi? On fait feu. Ouais, franchement, on en fait doucement. On est vraiment dans une chambre vraiment très sympathique. Bon, on va partager le lit à deux. J'appréhende déjà parce que franchement, c'est un ronfleur. Oh là là. Un tracteur. On fait doucement. Voilà, t'es un ronfleur là. Doucement, toi. C'est une dinguerie. Si tu reçois des béquilles là pendant la nuit, c'est moi. La salle de bain, elle est sympa aussi. Petite douche italienne. Là, on a un big miroir aussi. Je vous mens pas, on est KO, on a faim. Je pense qu'on va aller manger un petit truc et après on va rentrer, on va dormir. Comment ça? Voilà, il commence. On là, commence. Voilà. Mais commence quoi, wesh? Charlie Poppins vlog, hop. Ouais, Charlie Poppins. Charlie Poppins. C'est Marie Poppins. C'est Charlie Chaplin. Ah, c'est vrai, Charlie Chaplin, Marie Poppins. Là, on est en train d'acheter les cartes de métro. À 2h30 du mat. On va à Times Square voir si on peut manger un truc, mais je suis pas très sûr. Franchement, là je suis mou, mais pas confiance. Franchement, elle est insupportable. Elle est insupportable. Mais t'as rien à dire. Moi, je suis insupportable. Faut savoir en fait. Vous dites, j'ai pas envie de manger. Je veux manger Uber Eats. Je veux acheter un chargeur. Vous voulez tout faire en même temps. T'es insupportable. Ils veulent rien faire et tout faire en même temps. Mais n'importe quoi. C'est impossible. Dis-moi. Moi, je mange une tenders. Bonjour, Bah al khair. Je vais faire comme les films. Ah, mais il neige. Il est actuellement 10h ici, on a dormi à 4h. Donc moi je suis prêt, Ryan est en train de se préparer. Les filles elles sont au 9ème étage, elles sont aussi je pense en train de se préparer. Mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil parce que franchement si elles sont en train de pioncer, je vais péter un câble parce qu'on a rendez-vous à 10h40. Je vais pas commencer à décaler le programme, c'est parti. Je vous montre l'outfit of the day. Petite doudou de Moncler. Petite paire d'Adidas. Avec un petit pantalon. On est chill aujourd'hui là. Mais il fait froid. Aujourd'hui il fait froid. Il fait je crois 0 degré. Mais franchement j'aime bien. J'aime bien le mood. C'est trop beau, vraiment comme dans les films. Là je vais aller chercher des donuts chez Dunkin Donuts. Puis après que la journée commence hein. Hello everybody. Aujourd'hui je vais pas avoir froid. Elle a décidé d'en découdre. Aujourd'hui le froid n'a qu'à venir, je suis prête. Bonjour Lago, qui prend 20 ans à se préparer. Comme d'habitude. Enfin tout, je crois ça c'est fourré, mais je suis pas sûr. Attends, mais tu sais que là. Les trucs fourrés, il y avait que que à la pomme. C'est trop bon. Mais lui, elle est trop fou, elle aime bien. T'as que fais-tu là? C'est fourré. Moi, je mange que des trucs fourrés. Je suis à la main, je crois. C'est bon. Là, on va visiter quoi là-bas? C'est le musée du 11 septembre. Non, cette photo, elle a été prise le 11 septembre à 8h30, New York. Et les deux tours elles sont là. Elle dit que de la D1. Après, quoi moi regardez c'est simple. Viens, toi tu mets le 11 septembre, c'est un petit avion, il a été détourné. Elle est en train de dire que c'est une compagnie aérienne. Un grand avion, c'est pas Air France, hein. C'est pas Air France, c'est Air Algérie. Vous t'en penses quoi? Moi j'en pense que personne ne connaît la vérité et que les tours ne sont plus là. Donc on juge débat. Ok, comme ça c'est. Avec ta petite cagoule. C'est toi. Et ça c'est l'après. Haut de la tour et ils ont récupéré, voilà ce qu'ils ont récupéré. Mais quand tu regardes comme ça, on dirait pas que c'est si épais, on dirait que c'est tout fin. Voilà. Mais en fait, guettez l'épaisseur. C'est vraiment épais. Ça, c'est le camion de pompiers qui était venu vite sur les lieux de l'attentat. Et regardez dans quel état il est. Genre, il est un peu cassé. Un peu cabossé, regardez le poumon. Franchement, dingue. Faut savoir que cet attentat du 11 septembre, c'est là où il y a eu le plus de secouristes morts. C'est-à-dire qu'il y a plein de pompiers qui sont morts. On vient de finir notre petite sortie au musée.
Alors, ça vous a plu? C'était trop trop bien. C'est vraiment sympa. L'activité, on est obligé de passer au national. J'en peux plus où? J'en peux plus où de cette petite caméra? J'en peux plus où? Mais pourquoi? Ça nous laisse des souvenirs. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était génial, franchement, trop bien. À faire. Ouais. Franchement, je me prends bien dans le décor. Ouais, t'as grosse venue, il y a tout New York. Ouais. Tu veux parler de toi, il y a tous les États-Unis dans ta venue. Ouais. Et bah toi, il y a tout l'Amérique, l'Occident. Il y a tous les pôles Nord. Voilà, il y a tout le monde. Ça. N'importe qui. Il est pas me filmer alors que je danse pas. Elle est trop dégoûtée. Il est pas me filmer alors que je danse pas. It's an opportunity. C'est nul. Alors l'idée c'est que on s'attribue chacun un petit prénom qu'un riz et on s'appelle comme ça pendant tout le séjour. Ok, je suis d'accord. Donc, moi, Tasha. Ok. Moi, Tasha. Moi, c'est Blake. Yeah. Et toi? Ryan, c'est américain, Ryan. Ryan, ok. Plus, c'est Brian. Moi, je dirais Michel. Moi, c'est Ashley. Non, toi, c'est Michel. En référence à Michel Obama. Je me laisse jamais tranquille. Du coup, toi, c'est Ashley? T'as choisi Ashley? Ashley. Ok, Ashley. Tu m'as commandé 4 pizzas. C'est un peu cher quand même. Starfoulant. Hein? Starfoulant. Ouais, c'est cher. Ça a l'air très bon. Alors, c'est bon ou pas? Il y a tout New York, le Rockefeller Center, les rats, le bus, le métro qui est caché dedans. C'est parti. Qui va enflammer la piste ce soir? Ça m'amuse pas du tout, vos bêtises. La patinoire, c'est bien, c'est sympa, c'est à faire. Après, ça gave vite. Et celle du Rockefeller Center, elle est belle, mais elle est trop petite. Je crois que celle de Central Park, elle est plus grande. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est belle. Avec le sapin et tout, c'est stylé. Alors, ça vous a plu? C'était trop bien. C'était trop bien que je me suis fait une pâte, une américaine. 5 sur 10. Non, normal. Bien aimé. Non. Ça va, c'est pas mal. C'est vraiment, t'as vraiment tes fans des films de Noël, tu fais. Ouais, c'est stylé, ça va faire. $50 pour faire un petit tour comme ça, tout sauter. Non. C'est vrai, c'est cher par contre. Combien? C'est pas donné. Skyrock. Tu sais que je dis ça là-haut. Skyrock New York. Jamais dit Skyrock. Ouais, tu fais repérer femme seulement. Skyrock New York. This is the string with the you man. To find you and everything New York, New York, New York, New York. Hey, yeah. Skyrock in New York. Beurre FM, mais nous. On est insupportable. Le chapeau de Lago, Lago, c'est chapeau pas vous. Elle a trop des boules de poils sur la tête. C'est une dinguerie. Là, on s'est préparé, comme vous pouvez le voir. Petit bonnet. On s'est bien sapé, genre. Ce soir, on va manger au Pergola. On a rendez-vous à 21h, il est 21h11. Faut savoir qu'on est samedi soir. C'est pas sûr qu'on mange là-bas, finalement. On va finir au McDo. Parce que Fatou et Lago trop lente. Après Lago ça m'étonne pas, c'est toujours la dernière. On est rentré de l'hôtel à quelle heure? 17h. 18h. Je sais pas, 18h. Non, 17h. 7h. Anticipé, merde. Thank you.
à la pistache. C'est tellement bon. Vraiment, c'est trop bon. Des œufs et du cheddar. Je vais goûter et je vais vous dire si c'est vraiment bon. La vérité, c'est grave bon. Du coup Ryan il voulait prendre quelques photos mais il s'énerve parce que je lui ai dit tu peux pas prendre des photos en t-shirt, faut que tu mettes ta doudoune, tu peux pas faire des photos en t-shirt sur un rooftop, fashion faut pas. Il a pris la mouche. Bien, bien, bien. Là, je te prends en photo. Comment je vais bien prendre une page de photo, voilà. Mon gars, là, tu me fais vraiment pas rire, voilà. Là, je te prends en photo. Voilà, tu prends, tu vas me prendre aucune photo. C'est pas toi, c'est pas toi à me les prendre, voilà. Là, je te prends en photo. Non, j'ai pas envie. Il boude. Ta caméra, non, me filmer, ouais. Il faut que tu mettes la doudoune en moi. Tu peux pas être en t-shirt. Moi, j'ai envie. En t-shirt sur un rooftable. Moi, j'ai envie. Putain, mais c'est un truc de ouf. Qui dit qu'il y a pas le chauffage? Qui dit qu'il y a pas le chauffage? Qui dit qu'il y a pas le chauffage? Y a pas de chauffage en rooftable. Vas-y, le camp prend pas en photo. Voilà, je vais demander à toi. C'est bon, tiens. Non, là, je prends même pas en fait lui, voilà. Voilà. T'auras besoin de moi dans tous les cas cette semaine, voilà. Je vais faire la même chose, voilà. Voilà, Fab, il est insupportable. Filme pas, voilà, pourquoi tu me filmes? Non, je te filme en train de prendre des photos. Ah bon? Vas-y, sans mousser. Bon, petit look du jour, un petit pull, Moncler, JW Anderson, pantalon gris, j'ai dit pantalon, un pantalon gris, et là c'est une paire de baskets Reebok, on voit pas bien. On est parti chez Rubis Café, super beau, très Instagramable. Et on a pris des pâtes aux crevettes, avec des petits pancakes, voilà. On va se régaler. Bon là on va rejoindre les autres, on va rejoindre Fatou et Ryan. Fatou elle était sur le point de me manger au téléphone, donc T'es trop fouillé insolent. Ah non, elle était vraiment sur le point de me manger. Si t'avais entendu la façon dont elle m'a parlé, t'as mangé ou pas? Oui, calme-toi. Non mais tu réponds pas à ma question en fait. Oui, calme-toi. On a grignoté, mais tu peux aller manger si t'as faim. Bon, on va les rejoindre. J'espère qu'ils ont mangé du coup. C'est comique. Et là, on est tous ensemble. On va mais pas se resserrer. Mais MDR, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes drôle, vous. Moi, demain, par exemple, demain, j'ai envie d'aller voir le musée Black History. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. Oui. Je vais jamais vous dire de venir. Tu vas aller le matin, l'après-midi, on est ensemble. Ah non, c'est pas forcé. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. J'ai pas compris. On a payé chacun un billet avec notre argent. Mais elle est folle, elle! Allez manger en fait si vous voulez. T'es chat-chat, non mais t'es chat-chat, c'est bon. Franchement, y'en a pas un pour rattraper l'autre dans ce groupe. Vous êtes complètement starbé du cerveau et je ne voyagerai plus avec vous. Voilà. Bah, avec moi, ça va être compliqué. Pourquoi avec toi, ça va être compliqué? Tu vas voir. MDR en fait. Waouh, c'est trop beau. Bienvenue à Central Park. Regardez les buildings derrière et tout. New York, c'est trop un mood. Franchement, ouais. Si j'avais beaucoup d'argent, je serais venu vivre ici. Mais il faut beaucoup d'argent. J'aime trop les gratte-ciels en fond comme ça, c'est magnifique. Rendez-vous à 21h pour le au Summit. Summit, si vous voulez, c'est en haut d'une tour avec des boules argentées, genre c'est magnifique. Ben, on a raté l'animation, j'ai envie de pleurer. On allait jamais en vacances avec des filles.
Ouais, coupez tout, franchement. Ça joue, j'ai faim, j'ai soif. Rien pas McDo. On avait un bête de programme, mais finalement ça a fini McDo. Comme des bouffons. Ça se régale. Comme des bouffons. Le filet au fish du McDo, au steak, il est bon, hein. Donc de la France, voilà. C'est mieux que celui de la France. Hein? C'est l'original. C'est vrai que c'est l'original. J'avais eu un problème de son, je parlais trop dans le vent. Vas-y, vous avez pas écouté. Moi j'avais vu quand vous lui avez dit, mettez le son. Van n'a pas vérifié. Du coup, it doesn't work. I'm sorry if you don't have the sound. La caméra is new. Hello. How are you? Je n'en peux plus. Je suis obligée de faire des replays alors que j'en ai marre. Mais franchement, moi qui pensais que t'étais vraiment une fille de YouTube, mais t'es pas prête pour faire des vlogs en fait. Mais qu'est-ce que t'attends? Je suis pas une fille de YouTube, moi, je suis une fille. T'es une fille de quoi? Au travail, comme des gens normaux en fait, qui se pointent à l'heure, qui partent à l'heure. Ouais, mais t'es quand même funny, t'es quand même drôle, t'as des choses à raconter. C'est tu vrai, voyages tout vrai, le temps. C'est vrai, mais bon, malheureusement, bah, je pourrais pas en faire profiter un certain public, que mes amis, comme vous par exemple, comme toi, malheureusement. Tu dois bien admettre que t'es mon ami. Donc ça me fait chier. T'es une ordure. Alors, tu vas continuer? Ouais. Impressionné. Vraiment pas, voilà. Celle du 15ème sur les quais d'ici les Moulinois, elle est beaucoup mieux. C'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Elle est du barrette. Non. Mais elle est pas mal, c'est pas moi. Ok, ok, la go. Voilà. On a 4 minutes pour observer toute la vue. Donc là, on est dans la Statue de la Liberté. Là, on est sur elle. Dans elle. Là, on est dans la statue. Hein? C'est quoi d'être dans la statue? Tu penses que Lago on est dans son fiac comme tu l'as dit dans ton... On est dans quelle partie de ton corps? Ça va que ça sent pas la rose. Là on est en train de monter tout ça. On va monter en fait la Statue de la Liberté. Escalier très étroit, hein. Regardez, ils sont tout petits, wesh. Tout petit. Tout petit. On marche. Wesh, c'est tout petit. C'est quoi ces escaliers sautés là? Enfin tout, tu tombes sur moi, je suis mort. Je vais couper parce que là c'est dangereux. Je suis en train de monter et poster un TikTok en même temps, genre. Je suis vraiment con moi aussi. Le sens des priorités, zéro. On a monté tout ça pour ça. Voilà, je suis choquée. Voilà. On a monté tout ça pour ça, voilà. Je me suis suicidé. Voilà, c'est tellement clair. J'ai vraiment monté tout ça pour ça. C'était le prank du jour. Pardon? C'était le prank du jour. Quel prank? Voilà, je suis trop énervé, voilà. Là, je suis vraiment trop énervé. T'es énervé là? Comment? Je suis trop énervé, voilà. Donc on est monté jusqu'ici. On a fait sport pour ça. Tu veux nous rembourser là? Non, c'était pas cher. Toi, c'est au final, tu veux nous rembourser. C'est on, en fait, on demande remboursement, voilà. On est dans la couronne de la liberté. Même si je suis dans son fiacre, je m'en fous. Ouais. Tous ces escaliers pour regarder ça. Voilà. Vraiment aucun intérêt. Genre vraiment, je vais vous économiser de l'argent. C'est horrible. Ne faites jamais ça. Monter dans la couronne de la Statue de la Liberté. Qu'est-ce que je m'en fous de sa couronne, moi? Au secours. Ouais, monter dans la couronne, genre aucun intérêt. Le faites pas. Ouais, bon, vous allez perdre votre temps et votre argent. C'est le protocole. Ça va, c'est la lettre. Et vous allez regarder ici, ok? Vous allez regarder ici. Waouh. On arrive à rentrer ici. Non, moi, c'est la gauche. Ah ouais, po. Comment je vais me foutre en bas? Incroyable, la vue sur tout New York. Vraiment la vue sur toute la ville. Des gratte-ciel de fou, c'est une dinguerie. Genre en fait c'est dur de faire un voyage avec des personnes qui en fait qui s'en foutent du voyage. Je peux jamais en vouloir à rien de pas avoir apprécié ce voyage. Parce que c'est normal, chacun a des besoins et des attentes différents. Lui dès le départ il ne voulait pas venir. Mais voilà, New York c'est kex. Dès le départ il ne voulait pas venir ici, ça veut dire que c'est compliqué, tu peux pas. Sachant que moi, et moi ça peut pas matcher, sachant que moi je suis une grosse folle. Parce que moi, pour que je kiffe un truc, faut que tout le monde kiffe. Genre en gros si tout le monde kiffe et moi je kiffe pas, je m'en bats les couilles. C'est bien de ta part tu vois. Pense à ta gueule, bah pense non, à ton plaisir personnel. Pense à mon plaisir personnel de quelle manière? Kiffe! Même quand j'ai voulu kiffer moi-même, vous m'avez pas laissé kiffer. Parce que vous êtes venu avec moi. Quand j'ai dit ouais, bah je vais aller à son frappage, vous avez rentré, préparé, etc. Et tout, vous avez fait non, on est ensemble, on est en groupe, on vient ensemble. On est revenu à Ruby's Café, le restaurant où on est venu hier avec Lago. Super bon. On est venu faire découvrir en fait. Tu me diras ce que t'en penses. Ok.
Arrête d'être aigri, par contre. Je suis pas aigri, je dis oui. Je dis oui. Non. Goûte là. Je mange. Laisse tomber. Ok. Wow. Attends, Rebesso! Parmesan? Non, pas le yes, thank you. Thank you! Ouais. Yes! The line now? Yes! Je vais faire un truc léger, je vais faire un petit taper, petit traçage de barre, puis c'est tout, hein. Pub, pub, good pub! Okay. No worries, no worries! No problem. Voilà, il est ici, Barber Shop, MR Salon. Ils font pas doucement, 30 dollars, 25, 25. Et voilà, c'est ici, là, dans le Bronx. Là, t'as Bronx, t'as le Bronx, hein. T'as, c'est la Sging ici, là. Comme dans les séries. All of you, welcome you here. Yeah. Thank you, bye bye. See you soon. Bye bye, dada. On a descendu un petit peu trop la barbe, par contre, mais sinon, ça va. Ryan avec ses camarades. Ouais. On a cours d'SVT. Hey, do you know what is gymnase? Gymnase? Yes. What's gymnase? Gymnase, basketball. On est parti à la mosquée de l'université. Parce que la mosquée, en fait, elle était dans l'université, moi je savais pas. Là, on vient de finir de prier, on est parti à la cantine de l'université. On est vraiment à New York University, vraiment. Et là, on est à la cantine avec mon frère. Bah, on va aller manger, hein. Là, clairement, on est en train de manger à la cantine. Allez, United States. Toi, tu fais cramer. Moi, je guette, t'as quoi? Une salade, des trois trucs. Voilà, il fait pas tout ça. C'est comme ça, faut faire. C'est comme ça. Comme ça, c'est pas que ça fait américain, voilà. Mmh. Trop bon. Mais vous savez pourquoi on passe crème? Parce que Ryan, il a un sac à dos. Tu vois, je t'ai dit, prends le tas, tu voulais pas le prendre. Ça passe crème. Si vous voulez faire comme nous, faut faire. Vous rentrez, vous faites comme si de rien n'était. Genre, vraiment, vous êtes des étudiants lambda. On dirait pas un monde à part? Pourquoi? Je sais pas, on dirait que t'es dans une bulle quand t'es dedans. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais c'est trop bien, hein. Voilà. C'est un bon mood, genre. Bon mood, t'as envie d'étudier. T'as envie de... Le corps, t'as envie d'aller à l'école. T'as envie d'aller à l'école. Voilà, je sors plus. L'école. Voilà, c'est pas l'école, t'as la France. Les CPEM, chaîne 9. Que des retards, que des heures de colle. Ici, personne ne dit, il reste ta vie. Voilà, voilà, tu fais ta vie. Personne comme, reste ta vie. Comme tu veux, personne ne dit je sais pas quoi. Y'a pas de surveillant, y'a pas de. Tellement. Et ils sont dans le turfu ici, voilà. Y'a un truc que j'ai bien aimé à New York, c'est l'université, voilà. C'est ici. Mais je crois que c'est pas que ça, y'a plusieurs campus. C'est là-bas aussi. Ah, that way. On the electric train. Yes, of course. Electric. Yes, yes, yes. Yes. Un dernier ressenti? Mon dernier ressenti, c'est vraiment une libération. Vraiment, me libérer de cette putain de caméra de merde, ok? Voilà. Voilà mon ressenti. Tu l'as ressenti? Mais t'es chat-chat, ça te fait des souvenirs en fait. Tu pourras aller montrer à tes sales gosses en fait. La go, tu vas en soude aussi? Bye bye New York. It was an amazing trip. On a trop kiffé. J'espère que le vlog vous a plu. On va passer un agréable vol. Il n'y a pas à regarder comme un regard de tueuse là. Mais t'es chat-chat toi. Mais moi tu me fais. Mais pourquoi tu me regardes avec un regard de tueuse? Non, s'il vous plaît les abonnés, est-ce que vous aurez supporté une caméra, une petite caméra sautée, hein, parce que je vois pas une grosse caméra, une petite caméra sautée, bien sautée, bien tes sauts. Mais est-ce que tu me considères comme un paradis? H24. Ouais. Sur votre vie. Et alors? J'ai pas envie. J'ai le droit de pas avoir envie en fait. Le droit à l'image, ça dit quelque chose. À partir du moment où t'es ma pote, tu voyages avec moi. Moi je suis pas ta pote, moi. Tu voyages avec moi. Moi je suis pas ta pote. Tu vas-y. Descends. Pourquoi tu te pètes? Descends. Pourquoi tu. Descends. Descends. Descends tout de suite même. Lago, oui. T'as quoi à dire sinon sur Fatou pendant ce jour? Lago, on va parler de la cohésion d'équipe. Ça sent bien. Cohésion d'équipe, excuse-moi. T'as bien aimé cohésion d'équipe. T'as pas aimé cohésion d'équipe, excuse-moi. Fate to mate, tu es consciente, tu le sais, tu le sais, tu as des antécédents avec tout le monde, des litiges avec tout le monde. À tes côtés, c'est dur. Ok, bah y'a pas de problème. En fait, en tout cas, ravi d'avoir partagé. On est content de ravi d'avoir partagé mon dernier séjour avec vous. Parce que comme je suis folle de voyager avec moi. On est content que tu assumes ta folie. Mais non, mais faut vraiment. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous aussi admettez votre putain de grosse folie. Il n'y a personne qui est normal ici, en fait. Je suis désolé. Et vous, là, les abonnés, dites la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est normal dans ce groupe? Non, en fait. C'est déteste. Chacun essaie d'esquiver sa folie comme il peut. La muscu choix, réversible. Multifonction. Oui, oui, oui. Derrière ce manteau, c'est le cache. Il doit tout le voir. Vous êtes des ordures. Je vous kiffe.